Bonjour, c'est Gadu et bienvenue sur Gadu Gaming pour cette petite mise à jour de Huntern en 3.13.2.0. Je dis petite mise à jour parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments supplémentaires. On va regarder ça de suite. Alors, les éléments supplémentaires, c'est le Civilian Night Vision. Alors, j'ai pris l'autre aussi, hein, le Military Night Vision, parce qu'il a changé un petit peu de skin. Je vais essayer de le dropper pour qu'on le voit. Je sais pas si on le voit bien. Voilà, il y a un troisième point, hein, qu'il n'y avait pas avant. Donc voilà, donc là vous êtes habitué, hein, là ça va être vert. Je vais mettre la nuit pour voir la différence, bien évidemment. Il n'y a pas de différence, mais ça sera pour voir la différence avec les civilians. Voilà. Alors, la nuit. Voilà. Donc là, de nuit, hein, j'enlève, on est bien d'accord. Je remets, c'est vert. Jusque-là, ok. Maintenant, on va regarder pour le civilian. Voilà. Voilà, donc là, c'est noir et blanc. C'est un peu foncé à mon goût, mais globalement, voilà, c'est pas trop mal. On voit un petit peu de brouillard au fond. Je pense que le brouillard... Ouais, voilà, d'accord. C'est du vraiment aux lunettes. Par contre, il n'y avait pas sur l'autre, hein. Je vais vérifier, mais je ne crois pas. Il n'y a pas de brouillard avec les vertes. S'il y avait du brouillard aussi, autant pour moi. D'accord, on le voit mieux parce que c'est noir et blanc. Mais voilà. Donc ça donne ça à peu près. Au loin, on voit quelques petits détails un peu bizarres. Mais c'est plutôt sympa. Au moins, les civils, maintenant, pourront avoir des night vision sur les serveurs. Ce ne sera pas interdit. Voilà. Donc maintenant, on va passer un petit peu aux skins. Alors, c'est les seuls ajouts qu'il y a eu, hein, au niveau des items. Mais il y a des nouveaux skins. Donc on va en parler de suite. Est-ce qu'il me suit ? Ah, il me suit, ce qu'on a. Alors, on va essayer de tirer des balles pour voir ce que ça fait, d'ailleurs. Voilà. Donc, là, j'ai mon Eagle Fire habituel. Pour regarder les skins, je vais remettre le jour. Voilà. Comme ça, en même temps, ça vous donnera une idée de... Voilà. Comment on voit avec les Night Vision de jour. Alors, je vais reposer ça. Je me les déséquipe. Je repose ça et on regarde. Maintenant, les skins. Alors, les skins. Merci à Faded, Sheke et Arkness qui m'ont donné des skins pour cette vidéo. Parce que moi, j'en avais que deux articles sur des pistolets. Alors, je crois qu'il y en a 6 au total des nouveaux skins. Sachant qu'ils sont par 4. Hein. On a 4 skins par arme. Donc là, je vais les équiper rapidement. Ceux-là, parce que c'est les nouveaux. Et je vais regarder après ceux qui m'ont donné. Alors... Tout ça, c'est Fadette qui me l'a donné. Bon, j'ai déjà plus de place ici. J'ai de la place encore ici. Voilà, j'ai posé mon Eagle Fire. On va regarder. On va commencer par la Dragon Fang, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, le skin, hein, jusque-là, tout est normal. Encore que, oui, il n'y a pas de viseur au bout. Donc ça, c'est le skin neige. Voilà, je les ai tous en neige. Hein, parce que Fadette aime bien la neige, visiblement. Enfin, le skin arctique, je veux dire. Donc ça, je m'équipe aussi, voilà, je vais vous le montrer rapidement. Alors, vous avez vu que ça garde aussi, la Yuri, ça garde les éléments, je sais pas si vous le saviez. En tout cas, les éléments, les équipements qui sont avec sont aussi de la couleur du skin. Voilà, et la dernière. Voilà, donc ça, ce sont 4 des 6 nouvelles, si je dis pas de bêtises. Il y en a plusieurs, il en rajoute régulièrement, donc c'est pour ça que je ne me rappelle plus. Je vais regarder rapidement dans le coffre, en fait, les autres que, justement, Faded m'a donné, Faded, Sheke et Arkness. Pour essayer de voir justement ce qu'il y a de nouveau. Alors, ils y sont pas toutes, hein, mais bon, là, vous aurez une vague idée. Moi, je rééquipe de ça. Voilà, en même temps. Donc, je disais, voilà. Donc là, nous avons la Nice Perska. Donc, ça, c'est les nouveaux. Hein. Et bien, d'accord, la Chris Karek, la Yuri et la Nikorev. Voilà. Il y en a deux supplémentaires. Je me souviens absolument plus ce que c'est. Ici, dans le coffre, nous avons l'arc, par exemple. Alors, je vais pas l'équiper, sinon on n'a pas fini. Hein. L'Earthbreaker et la Cobra. Ici, nous avons la Dragon Fang, la Crossbow, l'Arbalète, hein, et la Lavenger. Voilà, on a du mal à le lire un petit peu, je ne sais pas si vous le voyez. Et ici, nous avons un mélange. Alors, j'ai pas réussi à avoir, en fait, un camo pour le désert, mais on a bien 4 camos différents, à savoir le Snow, la Viper, et le Multi... Le Snow, le Forest, et le Multicam. Voilà, il y a aussi le Desert, ainsi je précise, que je n'ai pas. Mais voilà, ça ressemble globalement à... La multicamo au niveau de la couleur globalement, donc ça reste déserte, hein, donc c'est-à-dire jaune, la jaune beige. Donc voilà, au cas où vous ne saviez pas, ça c'était avant, on est bien d'accord, hein, les nouvelles de cette mise à jour, ce ne sont que celles qui sont dans mon inventaire, à savoir voilà ces armes-là, sachant qu'il m'en manque un petit peu. Enfin bon, ça vous donne une idée, moi je trouve ça pas mal, mais je pense qu'il pourrait le faire pour toutes les armes et surtout pouvoir les dropper et non pas se les donner via le Steam Economy qui coûte de l'argent, hein, parce que Fadette les a payés, hein, celle-là. Donc c'est quand même un peu con d'avoir justement des armes. Obligé de se les acheter ou les avoir au bout d'un certain temps de jeu. Voilà, bon, du coup, on a fait le tour. On va se laisser, hein, pour la vidéo. C'est un petit peu court, mais il y a beaucoup de nouveaux ajouts du style des améliorations, ce genre de choses, dont on ne va pas parler.
Mais sachez que la mise à jour, voilà, il y a beaucoup de corrections de bugs aussi. Bon bref, on verra dans les prochaines versions. Voilà, alors merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à liker, à tout et à partager, ainsi qu'à vous abonner si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye!